www.casarema.fr. Quand la présence de Dieu quitte une église, c'est la honte et la déchéance qui vient. Quand la présence de Dieu quitte la vie d'un homme, c'est la honte et la déchéance qui viennent. Toi qui vivais dans la présence de Dieu, aujourd'hui tu ne sens rien. Tu ne vis rien de la présence de Dieu. Tu n'as que des histoires anciennes d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais là, tu vis quoi? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Jésus, au-delà de ça, a besoin qu'on vive dans la sainteté. C'est la manière de le conserver en toi, dans la foi et dans une vie de pureté. Et tu vivras celui qui est en toi. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous savons comment ce culte commence, mais on ne sait pas comment il va finir. Que Dieu nous dirige et qu'il nous aide. Lorsque la présence de Dieu vient sur toi, oublie ton voisin. Concentre-toi sur ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Nous sommes dans notre culte de puissance car notre message est la sainteté, la puissance et l'équilibre. Nous croyons en la puissance de Dieu. Et nous vivons la puissance de Dieu, des signes, des prodiges, aujourd'hui encore, qui prouvent que Dieu n'est pas mort. Et si tu as la foi, Dieu va te toucher. Le thème de mon message sur la présence de Dieu, c'est Dikabod à Emmanuel. Dikabod à Emmanuel. Dikabod à Emmanuel. Il y a un verset très important auquel je vais revenir à la fin du message. Colossiens 1, verset 27, qui dit: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prenez ce passage, mettez-le quelque part. Nous viendrons vers ce passage à la fin du message. La Bible commence par Genèse 1, verset 1. Et la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu, au commencement Dieu, au commencement la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, le commencement n'est pas le commencement. Sans la présence de Dieu, le commencement n'est pas le commencement. Pour qu'il y ait commencement d'une chose, dans le sens positif, bien sûr, il faut Dieu. Il faut Dieu. Sans Dieu, rien de positif ne peut commencer. Tout ce qui commence sans la présence de Dieu est voué à l'échec. Tout ce qui commence sans la présence de Dieu, sans prophétie, est voué à échouer. Tout ce qui commence hors de la présence de Dieu
ne finira pas dans la présence de Dieu, à moins qu'il y ait une repentance profonde. Tout ce qui commence hors de la présence de Dieu ne finira pas dans la présence de Dieu, à moins qu'il y ait une repentance profonde. La première leçon que la Bible veut nous donner et veut donner à l'homme est de réaliser d'abord la présence de Dieu. C'est le premier cours que la Bible donne à l'homme, réaliser la présence de Dieu. Quand tu viens à l'église, cherche à réaliser la présence de Dieu. Ne sois pas conscient des vêtements des gens, des bijoux des gens, de la beauté du temple, mais sois conscient de la présence de Dieu. Et Genèse 3, verset 8, la Bible dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. » La voix de Dieu en ce temps-là se promenait dans le jardin en utilisant le vent léger du soir. Et dans cette voix se trouvait la présence de Dieu, car la Bible dit que l'homme et la femme se cachèrent devant l'Éternel. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, il y avait le soir une brise légère, il y avait un vent qui venait, et dans ce vent, il y avait la voix de Dieu. Il y avait un rendez-vous entre l'homme et Dieu. Et lorsque l'homme a péché et qu'il a senti ce vent venir, il s'est caché parce qu'il savait que dans ce vent léger venait la présence de Dieu. Certains commentateurs disent que Dieu avait l'habitude de visiter chaque soir Adam et Ève pour causer avec eux, le grand Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui n'a besoin de rien, El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Mais le soir, venait causer avec une motte de terre à laquelle il avait soufflé la vie, révélant à quel point Dieu désire une grande communion, une grande intimité avec sa créature que nous sommes. C'est la présence de Dieu qui était au commencement et qui avait engendré le jardin d'Éden. Et c'est cette même présence qui entretenait le jardin d'Éden. Je répète, c'est la présence de Dieu qui avait engendré le jardin d'Éden. Et c'est cette même présence de Dieu qui entretenait le jardin de Dieu. Pour dire que lorsque Dieu te bénit, c'est lui-même qui va entretenir ce qu'il te donne. S'il te bénit et tu l'abandonnes, ce qu'il te donne va mourir, parce qu'il faut que celui qui te bénit revienne entretenir ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui engendre la vraie bénédiction et le vrai bonheur. Toute bénédiction qui a été engendrée par la présence de Dieu ne peut être maintenue que par la présence de Dieu. Ne peut être maintenue que par la présence de Dieu. Tout ce que tu as reçu comme bénédiction spirituelle
matériel, onction, charisme, finance, travail, mariage, tout cela que tu as reçu de Dieu, si tu ne gardes pas cela dans la présence de Dieu, tu le perdras certainement. Si tu ne l'as pas encore perdu, tu finiras par le perdre. Le jour où Adam et Ève avaient péché, la plus grande chose qu'ils avaient perdue n'était pas le paradis. Les gens pensent que c'est le paradis qu'ils avaient perdu. Mais la plus grande chose qu'ils avaient perdue, c'était la présence de Dieu qui faisait du paradis le paradis. Lorsque Adam et Ève ont péché, ce n'est pas qu'ils ont perdu des beaux fruits, qu'ils ont perdu une belle pelouse, qu'ils ont perdu un endroit paradisiaque, que c'était ça le plus grand dilemme. Le plus grand problème, c'est que ils avaient perdu celui qui faisait du paradis le paradis. Et lorsque tu te déconnectes de la présence de Dieu, c'est que tu perds, n'est pas d'abord la bénédiction, tu as perdu celui qui faisait de ta bénédiction une bénédiction. Et dans Genèse 3, versets 23 à 24, la Bible dit, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden. Celui qui venait causer avec eux chaque soir, voilà que les choses changent. C'est comme dans un mariage. On cause bien, on parle bien, mais tout d'un coup on se chamaille. Les mêmes personnes qui se disaient « je t'aime » commencent à dire « sors de ma maison ». Et voilà maintenant, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il était tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoille pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous allez voir que avant la chute, on ne parlait pas des anges, on parlait d'Adam et on parlait de la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils ont chuté, Dieu les chasse et les met face à ses serviteurs. Il dit, vous traiterez avec mes serviteurs les chérubins. Aucun de vous n'entrera si vous ne passez pas entre eux. Et il leur donne une épée flamboyante. Et c'est ce qui arrive. Celui qui était ton ami, qui te recevait, lorsque vous perdez les relations, ce n'est plus lui qui te reçoit. C'est son secrétaire, c'est son travailleur. C'est ce qui est arrivé à Adam. Et Ève, ils ont été déchus comme Lucifer a été déchu, comme les anges ont été déchus en suivant Lucifer. L'homme a été déchu au point où des anges l'ont empêché de toucher à l'arbre de la vie, car il avait perdu la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu a quitté le paradis, il est devenu la terre que nous connaissons. Quand la présence de Dieu a quitté le paradis, il est devenu la terre que nous connaissons. Et les chérubins révèlent que l'homme était banni de la présence de Dieu, qui pouvait le rendre éternel, car l'arbre de vie symbolisait Jésus-Christ dans le jardin. Alléluia. Lorsque l'homme a perdu la présence de Dieu, le paradis est devenu ce monde avec des érosions, ce monde avec ce soleil qui des fois nous fait tellement mal, ce monde avec des hivers qui font grelotter les hommes, ce monde qui est comme en guerre contre l'homme. L'animal ne respecte plus l'homme. Les moustiques commencent à tuer l'homme. Un rat effraie l'homme. Le serpent effraie l'homme.
les chérubins révèlent que l'homme était banni, chassé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que cette présence pouvait le rendre éternel, car au centre du jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qui pouvait permettre à l'homme de demeurer éternel même s'il avait péché. Et avant qu'il ne touche à l'arbre de vie, tout en étant pécheur, Dieu le chassa, de peur que ce soit un éternel pécheur. L'homme n'a pas été chassé d'un lieu géographique, car il n'y a pas un lieu sur la terre que nous trouverons gardé par des chérubins. Il n'y a aucun lieu sur la terre où tu vas trouver des chérubins en train de protéger un jardin. L'homme n'a pas perdu un lieu géographique lorsqu'il a péché. Mais l'homme a perdu une dimension spirituelle. L'homme a perdu une dimension spirituelle. C'est pourquoi il n'y a pas un lieu que tu peux trouver le jardin d'Éden protégé. Certains disent, c'est tel et tel endroit. Dans le monde entier, dans tous les continents, il n'y a pas un endroit paradisiaque gardé par des chérubins. C'était une dimension spirituelle que l'homme avait perdue. Et en perdant cette dimension spirituelle, il a perdu aussi la dimension matérielle. Le péché, bien-aimé, sous toutes ses formes, chasse la présence de Dieu de nos vies et de l'Église. Le péché, sur toutes ses formes, quand je dis les formes, en pensée, en parole, en action, en intention, en attitude, le péché sur toutes ses formes, une pensée mauvaise peut chasser la présence de Dieu. Une parole mauvaise peut chasser la présence de Dieu. Un acte mauvais, une intention mauvaise, une mauvaise attitude peut chasser la présence de Dieu. Le péché sur toutes ses formes chasse la présence de Dieu de nos vies et de l'Église. Et remarquez, bien-aimés, qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu liée à son omniprésence, qui fait que Dieu soit partout, là où on l'invoque et là où on ne l'invoque pas, là où on le craint et là où on ne le craint pas. Dieu est partout, là où on le prie et là où on ne le prie pas, là où on l'invoque, là où on ne l'invoque pas, là où on le craint et là où on ne le craint pas. C'est la première présence de Dieu. Cette présence fait que Dieu soit même en enfer. Cette présence fait que Dieu soit même au deuxième monde, dans le séjour de mort, dans les réunions des sorciers, dans les bars, dans les lieux de péché, à côté de tout homme pécheur ou saint. Cette première présence fait que Dieu soit partout, à côté de tout homme pécheur ou saint, dans les lieux de péché, dans les bars, dans le séjour de mort, dans les réunions des sorciers, dans le deuxième monde, en enfer. Cette première présence fait que Dieu soit partout là-bas. Adam, en péchant, n'avait pas perdu la première présence, car la première présence de Dieu, on ne la perd jamais. Adam, en péchant, n'avait pas perdu cette présence, car on ne la perd jamais. Car c'est par elle que Dieu contrôle toutes choses, mais ne bénit pas toutes choses. La première présence de Dieu permet à Dieu de contrôler l'univers entier, tous les hommes, païens, chrétiens, tout le monde. Mais cette première présence ne permet pas à Dieu de bénir tout homme. C'est pourquoi quand on dit Dieu est ici, il faut poser la question, c'est quel ici? C'est la première présence ou la deuxième? La première, elle nous contrôle. C'est elle qui va faire que Dieu nous juge. Mais ce n'est pas celle qui nous bénit. Alléluia. Lorsqu'on commence un culte, Dieu est là.
Mais pourquoi quand il y a la gloire, on dit Dieu est là? Parce qu'au début, c'est la première présence qui est partout. Mais après, quand la gloire de Dieu s'intensifie, on dit Dieu est là. C'est là la présence qui vient bénir. Il y a la présence de Dieu, la deuxième, liée à son approbation. C'est une présence qui se manifeste là où la volonté de Dieu est accomplie. C'est dans cette présence que vient le paradis. C'est dans cette présence que vient le millénium. C'est dans cette présence que vient la Shekinah. C'est dans cette présence que vient sa puissance. C'est dans cette présence que vient sa bénédiction. C'est dans cette présence que vient son amour. C'est dans cette présence que vient sa sainteté. C'est dans cette présence que vient sa révélation. C'est dans cette présence que vient l'illumination de sa parole. C'est dans cette présence, bien-aimé, que Dieu est redoutable. C'est dans cette présence qu'il est redoutable pour ses ennemis. Car cette présence peut se changer en feu et brûler ses ennemis. Et c'est cette présence qui s'est changée en feu contre Adam et Ève. Elle est une présence très dangereuse et très bénissante. C'est cette présence que l'homme avait perdue. La première, non, c'est la deuxième qu'il avait perdue. Et c'est de cette deuxième présence que j'aimerais vous parler ce matin. La présence divine approbative. Dieu est partout, mais il n'est pas partout. Il est partout par son omniprésence, mais il n'est pas partout avec sa gloire, avec sa puissance, avec sa bénédiction, avec son amour, avec sa révélation, avec sa sainteté. Dieu est partout, mais il n'est pas partout. Il est partout par son omniprésence, mais il n'est pas partout avec sa gloire, avec sa puissance, sa bénédiction, son amour, sa révélation, sa sainteté. Là, c'est là où on le craint et on fait sa volonté. Dans l'Ancien Testament, il y a des manifestations de la présence de Dieu approbative. C'est elle qui distinguait Israël des autres peuples de la terre. Ce n'était pas l'armée juive qui la distinguait. Ce n'était pas leur intelligence. Ils n'étaient pas le peuple le plus intelligent de la terre. Ce n'était pas leur beauté. Ce n'était pas leur organisation. Mais c'était la présence de Dieu qui faisait d'Israël le peuple le plus puissant de la terre, le peuple le plus différent de la terre. C'était la deuxième présence de Dieu. Tous les autres peuples avaient la première présence parce que Dieu est partout. Mais Israël avait la deuxième, la présence approbative qui engendrait sa distinction. C'est la présence de Dieu qui te distingue des autres. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la présence de Dieu qui amène la distinction. Et Moïse le savait. C'est pourquoi il refusa l'ange, il refusa le lait et le miel, sans cette présence, en disant dans Exode 33, versets 15 à 16, Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marches avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Moïse savait que ce qui pouvait distinguer Israël, ce n'est pas le lait, ce n'est pas le miel, mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'était un homme qui avait compris son Dieu et qui avait compris les priorités dans la vie.
Sans cette présence, pas de distinction, pas de différence, pas d'autorité, pas de domination, pas de victoire et d'élévation. Sans cette présence, on est un homme banal, une église banale, un ministère banal, une famille banale. On est comme tout le monde. Et cette présence était manifeste. Alléluia. Était manifeste. La première ne se manifeste pas. Dieu est là, même dans un bar. Dieu est là, parce qu'il doit être là pour dire que toi, tu t'es enivré. Toi, tu as fait ceci. Mais il n'y a point de manifestation. Mais la deuxième présence se manifeste. Et si la deuxième présence se manifeste dans un bar, la personne se convertit et elle sort du bar. Si elle se manifeste dans le deuxième monde, le sorcier arrête la sorcellerie et y rentre. Alléluia. La présence de Dieu, liée à son omniprésence, n'est pas manifeste, mais la présence approbative est toujours manifeste. Si elle est dans ta vie, on la verra. Je dis que si elle est dans ta vie, on la verra. Tu n'auras pas besoin de dire que j'ai la présence de Dieu. On la verra. Je dis on la verra. On la verra. On la verra. Ce n'est pas à crier, on la verra. Le soleil ne crie pas qu'il est là. Nous savons qu'il est là. Alléluia. On la verra. On la verra. On n'a pas besoin de crier. Nous sommes une église qui avons la présence de Dieu. Lorsque dans une église, il y a la deuxième présence, les gens, quand ils sont là, ils sentent qu'il y a quelque chose de bizarre ici. On la verra. Ce n'est pas quelque chose à prouver, à commenter. Elle se démontre elle-même. Un homme n'a pas crié qu'il est un homme. Il est un homme. Tu l'as qu'à voir. C'est un homme. Lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, on la verra. On la verra, car elle se manifeste toujours. Au milieu d'Israël, elle se manifestait par la colonne de nuée la journée et par la colonne de feu la nuit dans le désert. La journée, elle leur protégeait du soleil et la nuit, elle les dirigeait dans les ténèbres. Dans ton désert, la présence de Dieu sera là. Même si tu traverses des moments de désert, la présence de Dieu te protégera du soleil du désert et te conduira dans ton désert. J'aimerais encourager tout homme et toute femme qui est en train de traverser des moments difficiles qui ne sont pas produits par le péché, mais qui sont produits par la formation divine. Si tu sens la présence de Dieu dans ton désert, sache que la nuée va te conduire en Canaan. Sache que la colonne de feu va te conduire en Canaan. Et cette formation est nécessaire et importante car il faut que tu puisses apprendre à être conduit par Dieu dans le désert pour que tu continues à te laisser diriger par lui dans le lait et dans le miel. Car si tu ne respectes pas la pédagogie du désert, tu auras du mal à respecter la pédagogie du lait et du miel. Alléluia. Elle sera là. Même dans le désert. C'est pourquoi des fois tu passes par des moments difficiles. Mais tu trouves la force d'être joyeux. Tu passes par des moments terribles. Tu trouves la force d'aimer Dieu. Tu passes par des moments terribles. Mais tu trouves toujours la force. Parce que le soleil du désert ne te tue pas. Il y a la colonne de nuée. Alléluia. Tu t'en sors toujours. Pourquoi? Il y a un feu qui est en train de te diriger. Tu n'as pas besoin de boussole, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Et les fauves ont peur de toi, car ils ne supportent pas la couleur jaune, orange et le feu de Dieu. Protéger Israël contre les fauves du désert. C'est pourquoi, malgré que tu passes des moments difficiles, les puissants des ténèbres n'arrivent pas à te toucher.
à cause de la colonne de feu qui est sur toi. Ils doivent garder leur distance. C'est pourquoi pendant que tu dis que tu es faible, tu es fort. Parce que qui est celui-là qui peut marcher avec une colonne de feu en permanence? Ça doit être un homme extraordinaire. La manière dont Dieu te dirige dans le désert révèle la manière dont la gloire va exploser en Canaan. Alléluia. Dans ton désert, sa présence sera avec toi. Et elle se manifestera par des miracles dans les déserts. Le rocher va te donner de l'eau. Les choses compliquées te donneront des choses faciles. Tu mangeras la manne, une nourriture préparée par Dieu lui-même et par les anges. Oh oui, la présence de Dieu te donnera la manne. Il y a des familles qui vivent, qui se réveillent le matin. Papa ne sait pas comment les enfants vont manger, maman non plus, mais les enfants mangent toujours. Oui, ça c'est la manne qui continue. Ah oui, vous savez, quand vous vivez dans la richesse, il y a des témoignages que vous ne donnez pas. Mais il y a des familles ici qui peuvent témoigner, qui ne savent pas comment on va manger le soir. Mais quelque chose arrive toujours, maman ramène toujours du riz. Papa ramène toujours le foufou. C'est la manne qui continue à tomber. Des fois, quand tu regardes tes enfants, tu dis, qu'est-ce que je vais leur donner? Mais ils sont en bonne santé. Mais ils ne mangent pas des choses extraordinaires. Ils mangent la manne du désert. Pourquoi? La présence de Dieu a la capacité de donner le vitamine même à une nourriture simple. Mmh, oui. Et il y a des familles au Congo qui vivent ainsi. C'est pourquoi il y a des bien-aimés qui viennent de l'Europe quand ils viennent à Kinshasa. Ils sont étonnés de nous trouver bien portants parce qu'ils pensent que comme il y a la guerre, nous sommes tous malades. Et des fois, nous sommes mieux qu'eux. Hein? Ah oui, des fois, nous sommes mieux qu'eux. Oui, il y a des gens qui sont au Congo, donc ils sont mieux que ceux qui sont en Europe. Ils te demandent où tu es. Nana Kendate. Présence. Ah oui. Le jour que tu iras en Europe, tu serais étonné de voir des gens en Europe qui sont moins que toi. En habit, en peau, en tout. Ah oui? Mais toi ici au Congo, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu manges ton pondou là, tu pries Randaba Zimpro Kaza. Les vitamines K, tout ça, ça entre dedans. Et tu es en bonne santé. La Bible nous dit que Daniel et ses amis ne mangeaient pas les mets du roi, mais ils avaient une meilleure santé. Pourquoi? La présence de Dieu entrait dans leurs légumes. Bénissez votre eau. Bénissez votre nourriture. Mangez votre nourriture avec simplicité de cœur. Vous serez en bonne santé. Car qui a créé les vitamines? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Les Américains sont le peuple le mieux nourri du monde et le plus malade du monde. Dans ton désert, sa présence sera là. Elle se manifestera dans les lieux très saints. Elle se manifestait dans le lieu très saint du tabernacle par la Shekinah sur l'arche de l'Alliance entre les deux chérubins, rappelant que la présence approbative de laquelle l'homme a été banni à cause du péché. Il y avait un tabernacle, et quand la gloire de Dieu venait, elle venait dans le lieu très saint, entre deux chérubins, faits en or, représentant que l'homme a été chassé. Et lorsque on mettait le sang sur le propitiatoire, le trône de la grâce, cela révélait que Dieu désirait encore communier avec Dieu. Mais il fallait un sacrifice et cela préfigurait le plan qu'il avait afin de ramener toutes choses à la normale. Alléluia. Et imaginez, vous êtes dans l'église, mais les voisins voient sur l'église le feu, la gloire. C'était ça le tabernacle. Donc toutes les tribus pouvaient voir sur la tente d'assignation la Shekinah et la gloire et voir comment est-ce que le souverain sacrificateur pouvait entrer là où il y a la Shekinah, là où il y a la gloire et en sortir vivant. C'est ainsi que Moïse, côtoyant cette gloire, un jour est sorti, son visage rayonnait. Pourquoi? Il avait côtoyé Dieu pendant longtemps.
Tu peux prier, tu entres dans une retraite, tu sors, ton visage brille. On te dit, tu as mis quoi comme lotion? Rien. La présence de Dieu. Oui. 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 Des fois, quand la gloire de Dieu vient sur le visage d'un homme, même son visage peut changer. Tu peux le regarder, il est comme un ange, mais c'est un homme. Pourquoi? Il est entre les deux mondes au même moment. Alléluia. Bien-aimé frère, un jour, et là je commence à entrer en profondeur, un jour, cette présence fut tellement forte dans le temple de Salomon que les sacrificateurs devaient quitter le temple. Vous vous imaginez? Vous êtes engagé dans une entreprise et vous venez travailler. Le PDG vous dit, tout le monde dehors, je travaille seul. Salomon fait un temple à la gloire de Dieu. Il le dédie à Dieu. Mais le jour de la dédicace, la gloire de Dieu remplit le lieu très saint, remplit le lieu saint, remplit le parvis. De sorte que tout le monde doit sortir et regarder le temple rempli de Dieu. Et ainsi Salomon comprend. Il dit, je comprends que Dieu aime habiter dans les ténèbres. Ténèbres, ce n'est pas occultisme, c'est solitude. C'est-à-dire que si tu veux rencontrer le solitaire, tu dois aller dans la solitude. Il leur a dit, vous êtes venus en groupe. Vous devez venir maintenant seul à seul. Me chercher et en payer le prix. Des fois, un jour, nous vivrons un culte où la gloire de Dieu remplira le temple. De sorte que nous serons incapables de dire Amen, que Dieu vous bénisse, que le culte a pris fin, c'est l'heure des offrandes. Non, il y a un jour ça viendra. Cette prophétie me revient toujours et toujours, et je l'annonce. Un jour, un tel culte arrivera dans cette église où on ne saura pas dire c'est la fin du message, c'est l'heure des offrandes, nous recevons le nouveau venu, au revoir, à demain. Un jour ça arrivera. Je vous l'annonce avant que ça n'arrive, pour que quand ça arrivera, que tu saches que Dieu l'avait déjà annoncé en avance. Mais, notre thème c'est d'Ichabod à Emmanuel. Un temps et au temps du sacrificateur Élie, pas du prophète Élie, car il y a une différence entre le sacrificateur Élie et le prophète Élie. Au temps du sacrificateur Élie, cette gloire fut bannie. 1 Samuel 4, versets 21 à 22. Fall again. 1 Samuel 4, 21 à 22. La Bible dit ceci. Elle, c'est la femme, elle appela le garçon Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. La gloire de Dieu était sur l'arche. L'arche représentait la présence de Dieu en Israël. L'arche était leur arme principale lorsqu'ils allaient en guerre. Israël, lorsqu'il allait en guerre, il ne comptait pas d'abord sur ses épées. Il comptait sur l'arche parce que l'arche amener la Shekinah, et la Shekinah les différenciait. Mais un jour, Israël est allé en guerre contre les Philistins. Et quelque chose de grave et de terrible est arrivé. Ce n'était pas la mort d'un roi, ce n'était pas la mort d'un grand général. Non, l'arche de Dieu avait été prise,
avait été volé, avait été arraché des mains des Lévites et avait été amené dans la maison de Dagon, un démon, un faux dieu. Et Israël s'est retrouvé sans sa pièce principale. Et quand cela est arrivé, cela a coïncidé avec la naissance d'un enfant. Femme d'un des fils du sacrificateur Élie qui était enceinte, lorsqu'on lui a appris que l'arche a été prise et que son beau-père était mort en la prenant, elle accoucha sous l'emprise de cette douleur un bébé et elle lui donna un nom. Elle dit, Ichabod est le nom de mon enfant. Mon enfant s'appelle Ichabod. Mon enfant s'appelle Ichabod parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu est bannie d'Israël. Dieu a quitté Israël. L'arche de Dieu est prise. Mon beau-père est mort. Et voilà un si mauvais nom qui est donné à un enfant. Pourquoi? Parce que le sacrificateur Élie avait un problème. C'était un homme de Dieu faible. Ses enfants couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Il le savait, mais il ne traitait pas durement cela. C'est pourquoi l'Église bien-aimée, nous sommes sévères. Quand il y a un mal, nous traitons durement. Pourquoi? Ça peut amener le jugement de Dieu sur toute l'église. Ces enfants couchaient avec des femmes à l'église, dans le temple, à la tente d'assignation. Lui est au courant. Au lieu de les suspendre, il les laisse. Ces enfants se permettaient de prendre les sacrifices réservés à Dieu et de les manger. Et il les laissait. Et Dieu avait jugé d'effacer sa descendance de la sacrificature et de les remplacer. C'est ainsi qu'est venu le prophète Samuel. L'arche avait été prise. La gloire était bannie. Bannie d'Israël. Et le désastre est venu. Le malheur est venu sur Israël. La déchéance, la honte est venue. Bien-aimé, quand la présence de Dieu quitte une église, c'est la honte et la déchéance qui vient. Quand la présence de Dieu quitte la vie d'un homme, c'est la honte et la déchéance qui viennent. Quand la présence de Dieu quitte une famille, c'est la honte et la déchéance qui viennent. Israël était dans la honte. On leur posait la question, où est l'arche? Où est l'arche? Où est l'arche? L'arche. L'arche est chez Dagon. Chez qui? Chez Dagon. Comment il s'est retrouvé là? On nous a volé. Comment ça? Quel niveau de péché vous avez commis pour que l'arche vous soit arrachée? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu perdes la deuxième présence de Dieu? Toi qui vivais dans la présence de Dieu, aujourd'hui tu ne sens rien. Tu ne vis rien de la présence de Dieu. Tu n'as que des histoires anciennes d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais là, tu vis quoi? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Est-ce que tu peux nous parler de ton intimité avec Dieu? Ce matin, toi et Dieu, vous êtes dit quoi? Hier, toi et Dieu, vous êtes dit quoi? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu ces derniers temps? Personnellement. Alléluia. Bien-aimés, qui ont leur Bible, qui peut me donner un Luc 2? Quand vous prenez vos Bibles, il y a une page blanche, n'est-ce pas? Entre Malachie
et Matthieu. La voici. Vous la voyez? Vous l'avez trouvée? Cette page s'appelle Ichabod. Cette page n'est pas une page, c'est 4 siècles de silence de Dieu. Cette page, c'est 400 ans où Dieu ne parlait plus. Plus de vision, plus de prophétie, plus rien. Et a livré le peuple aux pharisiens, aux sadducéens, des gens qui ne faisaient que compliquer la loi de Moïse et qui mettaient des fardeaux pesants sur le peuple où Dieu n'était plus. Ils ne vivaient que dans la première présence de Dieu. Mais la deuxième, la Shekinah, la gloire, n'était plus. Et c'est dans cette période-là que Jésus est venu. C'est ainsi qu'on dit dans Matthieu, généalogie de Jésus. Ça veut dire, ouf. Bien-aimé, Jésus est venu en Israël. Après qu'Israël ait expérimenté 4 siècles total d'Ichabod, car Dieu s'était décidé d'entrer dans un grand silence à cause du péché de son peuple. De Malachie à Jean-Baptiste, Dieu ne parle pas. C'est vrai, quelqu'un pouvait recevoir des brides des visions, recevoir des brides des visions comme les Siméon, les Anne, mais Dieu ne parlait plus de manière officielle par un prophète, par un homme. Et des choses pareilles peuvent arriver dans une nation, dans une église, où Dieu ne suscite plus de grands serviteurs de Dieu. Quand une nation reçoit des hommes de Dieu, et la nation ne change pas, Dieu peut vous tourner le dos. Il se concentre vers d'autres nations, il leur envoie des grands serviteurs de Dieu, parce que vous, vous vous êtes habitués aux serviteurs de Dieu. Et là, Jésus trouve cette situation. Mais il y avait une prophétie. Dit, il y avait une prophétie. Ésaïe 7, verset 14 a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Ichabod. D'Ichabod. Quel nom il lui donnera? Quel nom il lui donnera? Je dis quel nom il lui donnera? Je dis quel nom il lui donnera? Ichabod, le bébé, ne peut être remplacé que par Emmanuel, le bébé. C'est un bébé qui efface les traces d'un autre bébé. Alléluia, 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 alléluia. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Ichabod voulait dire Dieu nous a quittés, Dieu est parti, mais Jésus s'appelait Dieu est revenu. Oh Rama, merci pour Jésus, merci pour Jésus, merci pour Jésus, merci pour Jésus. Tiens-toi debout, dis merci pour Jésus. Oh, dis merci pour Jésus. C'est alors que le Saint-Esprit a recommencé à parler et à écrire maintenant Malachie, Matthieu, Jean, les épîtres jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi? Dieu est revenu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus est venu et il était l'opposé d'Ichabod. Il était la présence de Dieu, approbative. Alléluia. Et comme la présence de Dieu approbative est toujours manifeste, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu vous donnera un signe. Un signe. C'était plus que la colonne de feu, Jésus. C'était plus que la colonne de nuée, Jésus. C'était l'arche. C'était une personne.
cette fois-ci, il n'a pas donné une colonne de nuée. Il n'a pas donné une colonne de feu. Il n'a pas donné une arche qu'on peut voler. Mais il a donné une personne. Je dis, Dieu a donné une personne. Je répète, Dieu a donné une personne. Jésus est la plus grande manifestation de la présence approbative de Dieu. Car il est l'arbre de vie qui était caché dans le jardin par les chérubins. En soi, hein, l'arbre lui-même est sorti entre les deux chérubins. Laissez-moi, l'homme a besoin de moi. L'homme était incapable d'entrer entre les chérubins pour toucher à l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie a quitté le lieu interdit. Et il est venu parmi les hommes. Il s'est promené à Capernaum. Il a cherché Pierre. Il a cherché Matthieu. Il a cherché Jean. L'arbre de vie a pris le corps et il a commencé à parler. Il est allé chercher l'homme qui avait péché. Pourquoi? L'homme était incapable par lui-même d'aller là où se trouvait l'arbre de vie. Sagesse infinie de Dieu. Amour puissant de Dieu. Dieu est comme un professeur qui te donne une interrogation, mais il veut que tu réussisses. Et des fois, il te donne une fuite. Des chérubins protecteurs avec une flamme de feu pour que l'homme ne puisse pas avoir la vie éternelle. Qui va oser aller là? C'est un suicide. L'arbre de la vie a déplacé. Il a porté un corps. Il est sorti. Il est entré dans le ventre de Marie. Il a fait 30 ans d'anonymat. Après, il s'est manifesté prêchant. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il était Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Plus que la colonne de feu. Plus que la Shekinah. Je veux plus que la Shekinah, je veux Jésus. Je veux plus que la colonne de feu, je veux Jésus. Je veux Jésus. C'est l'arbre de vie qui faisait que le jardin d'Éden soit un paradis. Et à cause de lui, pour que l'homme n'y touche pas, le jardin fut détruit. Mais Jésus est venu enfin de nous ramener au commencement. Alléluia. La nuée, la colonne de feu, le tabernacle, le Shekinah, la Shekinah sont des manifestations imparfaites de la présence de Dieu. Ce sont des manifestations imparfaites de la présence de Dieu. Mais Jésus est la manifestation parfaite de la présence de Dieu sur terre. Oh, il n'y a pas des adorateurs de Jésus ici. La Shekinah est imparfaite. La colonne de nuée est imparfaite. Mais Jésus est la manifestation parfaite. La colonne de nuée devait se transformer en colonne de feu selon le temps. Mais la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais la colonne devait changer. Quand c'est la nuit, feu. Quand c'est le jour, nuée. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais cela ne satisfaisait pas totalement le cœur de Dieu. Pourquoi? La prophétie d'Ésaïe, premièrement, n'a pas été donnée à l'humanité. Elle a été donnée aux Juifs. Quand on dit Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est d'abord pour les Juifs. Emmanuel est une promesse pour les Juifs, pas pour les nations. Parce que ce sont les Juifs qui avaient perdu la kabod. La venue de Jésus-Christ avait changé, certes, Ikabod en Emmanuel pour les Juifs. Mais Dieu étant amour, voulait que sa présence approbative soit en chaque homme, pas seulement dans les Juifs, en chaque homme congolais mutandu mundibu. Dans le monde entier, afin
qui Kabod soit changé en Emmanuel et qu'Emmanuel soit changé en Dieu en nous. Car il y a une différence entre Dieu parmi nous et Dieu en nous. Christ en toi, l'espérance de la gloire, pas Christ parmi toi. Et le livre de Colossiens est un livre non pas adressé aux Juifs, mais aux nations. Aïe, 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 aïe. Ils ont perdu la Kabod. Jésus est venu parmi eux, Dieu, parmi nous. Il est mort, ressuscité. Mais il était que pour les Juifs. Comment faire maintenant qu'il ne soit plus que le Dieu de Juifs? Il faut maintenant une explosion. Parce que lorsque une citerne, on appelle ça dans le monde de la chimie, ce qu'on a à l'Unikin là, si ça bombarde, une centrale nucléaire explose. Si ça explose à l'Unikin, même nous ici, nous sommes atteints sans être à l'Unikin. Et Dieu avait besoin d'une explosion nucléaire spirituelle pour que les répercussions de Jérusalem atteignent le monde entier. C'est pourquoi il y a eu la Pentecôte, afin que Emmanuel ne soit plus Emmanuel, mais soit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Il y aura radiation spirituelle dans le monde entier, plus que Nagasaki, plus que Hiroshima. Depuis qu'il y a eu la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, les radiations continuent. Et quand tu vas à Tchernobyl, tu connais Tchernobyl en URSS, il y a encore les radiations. Mais il y a longtemps, il est venu pour le monde, mais il est passé par Israël. Emmanuel est une dimension intermédiaire qui doit amener à Christ en nous. L'espérance de la gloire. Maintenant, quel est le rôle du réveil? Le rôle du réveil consiste à annoncer au monde ce qui s'est passé. Homme, tu as perdu la gloire. Mais Emmanuel est venu. Mais il ne veut pas seulement être Emmanuel, il veut entrer en toi. Voici la bonne nouvelle. Quel est le rôle du réveil? C'est de garder et de conserver celui qui est en toi, afin que tu vives la gloire qu'il est venu amener en toi. Ainsi, moi, Christ est parmi nous quand je suis avec vous, mais il est en moi quand je suis seul. Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu es devenu. Si un coffre en or fait par les mains de Betsalel avec une représentation imparfaite de la présence de Dieu pouvait faire que Israël soit ici, leurs ennemis là-bas sont en train de s'entretuer. Pouvait faire qu'une petite nation puisse paralyser des nations plus puissantes. Hein? Maintenant, Dieu ne prend plus de l'or. Il prend son image. Il y met son esprit. Il prend Emmanuel qui est parmi et il le met en toi. Qu'est-ce qui peut se faire? Il peut se faire que je prêche à Kinshasa, je change les États-Unis. C'est ce que j'ai compris. Depuis que j'ai compris ça, je respecte ma vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis devenu le tabernacle de Dieu. Un tabernacle qui marche, qui parle et qui a en lui la présence anthropatique de Dieu.
vivait dans un lieu impur où on prie le diable. Mais la manifestation de l'arche s'est manifestée. Et donc, je peux être dans une nation païenne. Et dans le tabernacle de Dieu, je change le Congo. Je peux me tenir à l'estrade et l'atmosphère change. Pourquoi? Christ est en moi. La Shekinah est en moi. La gloire de Dieu est en moi. Je peux causer avec toi naturellement et puis j'entre dans le surnaturel. Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la kabod. Dit kabod. Christ en toi. Lorsqu'Emmanuel entre en toi, tu n'es plus Ikabod. Tu deviens la kabod. Et la kabod, c'est le poids de Dieu. Tu deviens pesant. Yangomo na batumusu bo supporter au thé parce que tu pèses. Tes paroles pèsent. Tes actions pèsent. Ta vie pèse. Mais la gloire dont on parle aussi et surtout, c'est l'éternité. Pourquoi? De la même manière qu'Emmanuel n'est pas resté dans le tombeau, il est en toi et il ne restera pas dans le tombeau car il sera en chacun de nous. La résurrection de Christ a été l'échantillon de nos résurrections. Il a eu un corps. Il est mort. Et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, le Père. Et maintenant on dit qu'il est en nous. Si nous aussi nous mourons, ce qui lui est arrivé nous arrivera. Si l'échantillon est bon, les restes sont bons. Les prémices à ressusciter. Et les restes ressusciteront aussi. Ainsi, j'ai déjà le visa du ciel parce que la tête est déjà dans l'avion. Celui qui est à la droite de Dieu le Père est un homme. Si tu vas au ciel, tu prends la photo du ciel, tu vas trouver un homme, Jésus homme, pour dire que toi aussi tu y seras. Pourquoi? Christ en toi, l'espérance de l'éternité, l'espérance du millénium, l'espérance du paradis, l'espérance du succès, de la richesse, de la puissance, de l'onction, de la grâce, de la faveur. Christ en moi! Bien-aimés frères, sœurs, après avoir compris une telle chose, n'a qu'aux soucis, y a ni. Tidi Jakes un jour prêche, il dit, un prédicateur quand il prêche, il faut quand il prêche, vous sentez seulement des lumières. Il dit, il t'éclaire, il t'éclaire, il t'éclaire. Et c'est vrai. Bien aimé, la bonne nouvelle change la vie. Muto kansayo akio lelate. Muto kansayo, tu ne peux pas dire, je ne sais pas ce que je finirai où. Bien aimé, tu es en train de brûler la Bible. Tu es en train de remettre Jésus à la croix. Même dans le désert, la nuée est là. Ainsi, je crois que je peux prier pour un homme qui a le sida, il est guéri. Je crois que je peux bénir un homme, il est béni. Je crois que je peux maudire quelqu'un, il est maudit. Je crois que je peux être dans un endroit et partout, il y a des anges. Il y a un occultiste qui a témoigné. Il a dit, votre pasteur, depuis qu'il habite notre avenue, on a un problème. Pour passer par là, il faut qu'on fasse un détour. C'est-à-dire qu'il ne peut plus passer comme ça, il ne faut pas tourner. Parce que j'habite par là, quoi. C'est comme là où le président habite, il tourne à rat.
masendele bobo. Autour narate. So tourner te basanim bakangio. Et si tu tournes pas l'ange à Kangie, tu ne sais pas qu'ici un ministre de Dieu habite, un ambassadeur plénipotentiel du gouvernement céleste. Oui, oui. Ezalakabongo. Si la Shekina avait besoin d'une vie de sainteté, Jésus, au-delà de ça, a besoin qu'on vive dans la sainteté. C'est la manière de le conserver en toi, dans la foi et dans une vie de pureté. Et tu vivras celui qui est en toi. Il te transformera. Voyez, comment est-ce que un petit virus du sida peut entrer dans un homme et puis commence à te changer. Il commence à faire tomber tes cheveux. Il commence à te donner des plaies, ouvrir des portes à toutes les maladies. Il commence à te faire maigrir, te faire perdre l'appétit. Un petit virus. Parce qu'il est entré dans ta vie. Il détruit tout. Tu deviens méconnaissable. On montre tes anciennes photos et toi, on dit, c'est pas toi. Tu deviens squelettique. Et recevoir le virus Jésus, la sémence de Dieu en moi, me transforme. Je n'arrivais pas à pardonner, je commence à pardonner. Je n'arrivais pas à m'humilier, je commence à m'humilier. Je n'arrivais pas à prier, je commence à prier. Je ne faisais pas des miracles, je commence à faire des miracles. Je change totalement de sorte que si tu vois mes photos il y a 10 ans, tu dis ce n'est pas toi, c'est moi. C'est quoi? Christ en moi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qui veut donner sa vie à Jésus? Courez ici. Venez. Ezatango na yo. Ezatango na yo. Ezatango na yo. Ezatango na yo, 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 ezatango na yo. Dieu va faire des grandes choses ce matin au milieu de nous. Aie seulement la foi. On n'a pas besoin de crier pour que Dieu agisse. Lui qui a créé les oreilles, il entend. Il y a un groupe de personnes de 5 que je vois dans le feu. À ma gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus. Tu es venu malade. Ta maladie t'a quitté. Elle vient de te quitter, ta maladie. Elle a commis l'erreur de te laisser venir ici. La maladie t'a quitté. Vérifie, elle n'est plus là.